nous allons parler d'un fait qui est un peu plus ancien, mais bon, pas un peu plus ancien, mais qui est un peu plus nouveau. Nous allons parler d'un fait nouveau, même si ça date de quelques mois. Et nous allons parler de la libération des détenus politiques. Et ensuite, nous allons parler de l'interdiction de circuler des taxis-motos à Kaloum. Deux questions là, les gars. Laissez les cœurs, laissez salut salut en commentaire. Nous allons faire un débat chaud. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la nuit de, comment on appelle déjà, mes samouraïs musulmans seront tout à l'heure à la mosquée. Mais ce soir-là, on va parler. Laissez les cœurs et laissez salut salut en commentaire. Partagez déjà la vidéoconférence dans les groupes. Partagez dans les groupes de la Guinée. Voilà. Il y a des messages qu'on va donner ce soir. Il faut que ça tombe dans de bonnes oreilles. Les gars, il y a un fait nouveau. Pas tout à fait nouveau, mais ça fait quelques mois, ça existe à Conakry. C'est cette première thématique que nous allons aborder, la question de la prudence. Après cela, nous allons parler des détenus politiques, de la libération de ces détenus, et ensuite nous allons parler de l'interdiction des motards de circuler à Kaloum. J'ai eu froid dans le dos, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai été saisi par un samouraï qui est un de mes anciens étudiants, quelqu'un que j'ai enseigné à l'université, dans une université de La Place, je vais me réserver de dire le nom. Et ça fait très longtemps, je l'ai enseigné, je crois, il y a très longtemps. Mais qui me suit ici sur ma page. Et qui m'a envoyé un message WhatsApp. Les gars, j'ai pleuré. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'arnaque. Mais là, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Je ne sais pas par quel moyen, mais il faudrait que la sécurité des citoyens soit vraiment assurée, les gars. Cette arnaque, ce vol est organisé par des taximens. Un vol organisé par des chauffeurs de taxi. Mais je ne sais pas. C'est-à-dire, je vous relate la situation. Le monsieur quitte chez lui pour aller faire des achats à Madina. Il avait de l'argent, un montant de 20 millions. Il quittait son Fonia pour aller à Madina. Laissez-moi salut, salut en commentaire, s'il vous plaît. Laissez salut en commentaire. Vous connaissez le principe. Le monsieur quitte. Arrivé à son Fonia gare, il voit qu'il y a assez de monde. C'était le matin, un lundi matin. Il a essayé de négocier avec un taximotard. Ils n'ont pas pu se comprendre. Mais il avait déjà les 20 millions dans son sac. Il partait faire ses achats à Madina. Un jeune qui se débrouille dans l'entrepreneuriat. Il a terminé les études, il n'a pas d'emploi. Il s'est débrouillé difficilement. Il est parvenu à économiser un peu d'argent. Et aujourd'hui, il se lève, il dit, va faire les achats. Il ne s'est pas compris avec le taxi moutard. Parce que le prix était trop élevé. Il a décidé alors de prendre le taxi. Il reste là, voici un taxi qui vient. Une vieille voiture. Cette vieille voiture arrive. Elle gare. La voiture était pleine. Il ne restait qu'une seule place. Il ne restait qu'une seule place dans la voiture. Merci pour les saluts. Voilà. Autant que vous pouvez laisser salut en commentaire, laissez. Kerfala Katia Kamara, merci bien mon cher. Et n'oubliez pas, partagez la vidéoconférence. Il faut que ce message-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il monte dans le taxi. C'est une seule place qui restait. Et regarde, c'est rempli. Il ne craint rien. Puis c'est une vieille voiture. Le chauffeur commence à filer. Il y avait trois personnes à côté de lui ici. Côté escroc, il y avait une personne. Le chauffeur commence à filer. Entre-temps, le chauffeur lui dit, mon frère, ta portière n'est pas bien fermée. Écoutez bien l'histoire, hein, et partagez pour que d'autres personnes puissent recevoir le message. Et lui, mon frère, ta portière n'est pas bien fermée. En disant, mon frère, ta portière n'est pas bien fermée, le gars, il est soucieux de sa sécurité. Mais en le disant, le chauffeur continue à filer. Il continue à appuyer sur l'accélérateur. Il dit au chauffeur, il faut garer, je vais bien fermer. Le chauffeur ne comprend pas. Il n'entend pas. C'est pendant ce moment-là
qu'il y a un des trois qui était là derrière décide de l'aider pour fermer la portière. Donc ce monsieur passe devant lui comme ça, mais déjà le monsieur l'a barré le visage, il n'arrive même pas à voir. Donc le monsieur faisait semblant de l'aider. Au moment où il faisait semblant de l'aider et il a barré son visage, les deux autres ont procédé à l'opération. Ils ont ouvert son sac. Ils ont ouvert son sac. Ils ont enlevé l'argent qui était dans un caoutchouc. Ils ont enlevé l'argent. Ensuite, ils ont remplacé cet argent-là par du sucre. Les cartons de sucre qui sont en morceaux là. Ils ont remplacé cet argent-là par un carton de sucre avec trois sachets d'eau koya qu'ils ont mis encore dans un plastique noir pour remettre dans le sac pour éviter que le jeune s'en rende compte automatiquement, parce que si le sac est vide, il va comprendre. Merci vraiment pour le salut, Kelfala Katia Kamara. Tous ceux qui sont là, vous savez, notre page a des restrictions. Ce sont les interactions là qui vont faire, qui vont lever ces restrictions. S'il vous plaît, laissez salut en commentaire, s'il vous plaît. Laissez salut en commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Et laissez suffisamment de cœur. Donc, vous me recevez bien, j'espère. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont remplacé son argent, 20 millions de francs guinéens, pour un jeune qui se débrouille dans le commerce. Ils ont remplacé ça par un carton de sucre, un petit carton de sucre, avec trois sachets d'eau koya. À partir de ceux qui connaissent bien l'axe là, à partir de Western Union, ils ont garé, le monsieur a garé, le jeune voulait descendre pour bien fermer la porte, il dit au jeune, bon, inutile, moi je ne vais même plus vers Madina, je vais me limiter à la T6, donc tu peux chercher un autre véhicule. Déjà, l'argent était déjà pris. Le jeune aussi a dit, ok, il n'y a pas de problème, il est descendu. Quand il est descendu, pour lui, il va descendre et chercher une autre voiture et continuer à Madina. Alors, on dirait que le jeune avait été travaillé par un médicament. C'est en ce moment, ce jeune cherche, il s'est retrouvé un peu, une idée lui a dit, il s'est rappelé du scénario qui s'est passé dans le taxi, et il s'est dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas pris mon argent? Le temps pour lui d'ouvrir et de regarder, son argent est parti. Il a pris un taxi moutard. Pour chercher à retrouver les taximètres, non, impossible. Son argent était déjà parti. Oui. C'est 20 millions. Combien d'années de souffrance pour un samouraï? Quelqu'un qui a terminé les études, on sait qu'à Conakry, il n'y a pas de boulot en Guinée. Il n'y a pas de boulot. Même si on dit quelque part, il y a du boulot parce que on peut se donner soi-même le boulot ou alors ça dépend de la manière de chercher le boulot. Mais globalement, nous le savons. Le jeune se débrouille dans le cadre de son entrepreneuriat. Il économise. Et tout son fonds part comme ça en un clin d'œil. Les gars, ça fait pitié. J'ai eu les larmes aux yeux. J'espère bien que tu es là. Peut-être que tu suis la vidéoconférence. Et si tu es là, moi, je ne peux que te dire du courage. Prends courage. Mais il m'a laissé ce message. Il a voulu qu'on en parle ici, sur notre grande tribune, sur la tribune de l'éveil des consciences, pour permettre à ce que l'information soit diffusée de la façon la plus large. C'est vrai que lui, il a été victime. Et ce jour, il n'a pas pu continuer à Madina, il ne pouvait plus partir. Il était obligé de se retourner à la maison. Il est parti se coucher avec les tourments. Et c'est le lendemain matin, il m'a envoyé une note vocale pour me dire, mon samouraï, voici ce que j'ai traversé. Et donc, il a pris l'initiative de me demander à ce qu'on puisse diffuser l'information, en parler ici, pour que d'autres citoyens soient informés de ce qui se passe. C'est pourquoi, partagez la vidéoconférence, s'il vous plaît. Il faut la partager au maximum. Merci pour les saluts. Alioune Karine, voilà, merci. Ne vous fatiguez pas de laisser salut. Vous pouvez suivre la vidéoconférence en même temps, écrire salut. Même si vous laissez 100 fois, 100 saluts, ce n'est pas grave. Mais à chaque fois, venez laisser salut. Voilà. Ou bien, voilà. Parfait, ça marche. Mamadou Ridjalou, voilà. En tout cas, quand le nombre de commentaires et des réactions sont élevés, ça va permettre à Facebook d'enlever ses restrictions. On a deux restrictions, je vous ai dit. On en avait cinq, les deux sont partis.
grâce à votre effort, ça reste 2. Et c'est à cause de cette restriction-là. Même quand on fait des vidéos, Facebook ne montre pas à tout le monde. Sinon, on a beaucoup d'abonnés, mais Facebook refuse de montrer. Donc, je reviens sur la question du jeûne. Ça fait vraiment pitié. Mais il n'est pas la seule personne qui est victime de cela, qu'on a crié. Hein. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été victimes, mais beaucoup n'ont pas encore l'information. Maintenant, chers samouraïs, avant d'aborder les deux autres parties de notre vidéoconférence d'aujourd'hui, moi j'aimerais que vous puissiez faire quelques propositions. C'est-à-dire, je ne me retrouve pas dans la situation. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si au moins on dit que ce sont des voitures clando, c'est-à-dire des voitures personnelles qui se débrouillent, on peut comprendre. Mais des taxis. Et vous venez, vous voyez qu'il y a des passagers dedans. C'est rempli. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? La première des choses que je vais dire, ça va faire très mal, ça va choquer le jeune. Ça va choquer le samouraï qui m'a envoyé, qui m'a demandé de parler de la thématique, ça va le choquer. Mais la première solution, en termes de prudence, les gars, nous sommes des samouraïs, nous sommes des combattants. C'est-à-dire, nous savons comment nous souffrons pour avoir notre argent. À Conakry, même pour avoir 1000 francs, c'est tout à fait des problèmes. Tu ne peux pas comprendre, sauf lorsque, par exemple, tu sors, tu pars quelque part et tu dépenses tout ton argent, tu n'as plus rien en poche, demande 1000 francs à quelqu'un. Même un de tes amis va te dire, non, malheureusement, je viens de dépenser tout. Mais si tu es un combattant de la vie, tu as souffert pour avoir cet argent-là. Mon ami, tu as 20 millions, tu pars faire des achats. Déplace un taxi. Ne prends pas le transport commun. Non. Parce que quoi qu'il advienne, l'insécurité est grandissante à Conakry. Ces gens-là travaillent avec du fétiche. Même le gouvernement, il sera difficile pour le gouvernement de mettre main sur eux. À moins que peut-être qu'on déguise des policiers. C'est-à-dire, on prend des policiers, on les donne de l'argent. D'accord, ils s'arrêtent sur les carrefours et puis on les prépare vraiment à pouvoir résister. Mais ce sont des gens qui travaillent avec des fétiches, les gars. Akoyeko Evogi, tout me respect le fils. Ce sont des gens qui travaillent avec des fétiches. Il y a certains, c'est pourquoi il faut qu'on soit très clair. Je dis bien ce que je vais dire, ça va choquer le samouraï. Celui qui m'a envoyé. Oui, mon ami Diallo. Diana Bachir Diallo, merci, tu as laissé beaucoup de saluts comme ça, c'est pas comme ça. Tu mets un salut, après tu reviens en commentaire, tu mets un salut. C'est comme ça, merci bien. Vous comprenez les gars? Diana Bachir Diallo, quand tu mets plusieurs saluts ensemble, la Facebook considère comme un seul commentaire, c'est ça le problème. Donc, ça va te choquer mon ami. Ça va te choquer, ce que je vais dire, ça va te choquer. Mais c'est la vérité, ici on éveille les consciences. Nous sommes dans un pays où l'insécurité est là. Moi, samouraï, lorsque je sais que j'ai un montant dans ma poche qui dépasse 100 000 francs, tu me dis bonjour, je ne te réponds pas. Sérieux, je ne réponds pas. J'ai un montant dans ma poche qui dépasse 100 000. Tu me dis bonjour, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, je ne te réponds pas. Même si c'est toi qui me connais, tu me salues, je ne te réponds pas. Parce qu'ils ont commencé cette pratique-là par quoi? Ils demandaient l'heure. Quand ils te voient, bonjour frère, s'il vous plaît, vous avez quelle heure là? Il faut dire seulement, il est telle heure. Ce qu'ils cherchent de toi, c'est de parler. C'est fini. Leur médicament t'a attrapé. Dès que tu parles, le médicament t'a attrapé. Tout ce que tu as comme argent, il suffit que tu te sépares d'eux. Tu t'éloignes de la personne en question. Après, tu regardes dans ta poche. Ton argent a disparu et s'est remplacé par des papiers de ciment là. C'est-à-dire les papiers qu'on utilise pour mettre les cacahuètes dedans là. Tu vois que ton argent est remplacé par ça. Donc, j'ai dit bien la première des choses. Samouraï, on a l'insécurité. Et la prudence c'est quoi? Tu as souffert pour avoir les 20 millions. Même prendre 100 000 francs, dépenser 100 000 ou 200 000 dans 20 millions.
pour aller payer ta marchandise et revenir en sécurité, les 200 000 là ont pour objectif de sécuriser ton fonds de commerce. On est désolé, on est dans un pays où il y a l'insécurité. Le vol se fait en pleine journée. Et donc pour cela, il faut sacrifier de l'argent. Il faut sacrifier de l'argent pour ta propre sécurité et la sécurité de ton argent. Vous savez bien entendu que la sécurité coûte très cher. Ça coûte extrêmement cher. Pourquoi les hommes qui ont l'argent, qui sont riches, se font entourer de garde-corps? Et puis ils payent très cher. Je ne peux pas comprendre, mon samouraï, que tu aies 20 millions dans ton sac et que tu t'asseyes dans un taxi parce que tu veux juste payer 20 000 francs de Symphony à gare à Madina. Voici les conséquences. Là où tu devais payer 200 000, même 200 000, c'est exagéré. Je crois que tu prends le taxi déplacement. En tout cas, bon, ça peut aller et tout, ça peut faire 200 000. Au moins, si déjà, tu peux ne pas payer 200 000, tu peux prendre le déplacement, tu pars, tu payes tes marchandises. Ensuite, en revenant, maintenant, si tu veux prendre le taxi, il n'y a pas de problème. Mais là aussi, il y a un problème. Si ce n'est pas un déplacement que tu prends pour tes marchandises, là, il y a toujours des gars qui sont là, qui sont prêts à fuir avec ta marchandise. C'est ça le problème, cher samouraï. Je dis bien, ça va te choquer, hein, mais tu es quelque part aussi responsable. C'est dommage, mais tu es quelque part aussi responsable. Lorsque nous savons qu'on a, tu as un montant, je vous dis, hein, chers samouraïs, beaucoup parmi vous qui me connaissez, quand je parle de 100 000 francs, c'est juste pour montrer la gravité de la chose. Chez moi, c'est à partir de 500 000. Parfois même 400 000. J'ai ça en poche. Samouraï, salue-moi. Je ne réponds pas. À moins que tu utilises le code magique. Là, vous connaissez le code magique. Parce que généralement, je me croise avec mes samouraïs. Dès qu'ils me voient là-bas, ils me disent « Samouraï, là, je sais que la personne me connaît. C'est un de mes samouraïs. » Voilà. Mais quelqu'un que je ne connais pas, je ne t'ai jamais vu. Et tu ne connais même pas mon nom. Je ne te réponds pas. Voilà. Et il y a aussi une nouvelle forme. Hein. Même si tu connais mon nom. Moi, c'est mon intuition qui me guide. Même si tu connais mon nom. Dis-moi bonjour, je ne te réponds pas. Tu vas monter, descendre, je ne te réponds pas. Certains vont dire, non, le samouraï, certains le disent même très souvent, non, le samouraï, il est trop orgueilleux et tout ça là. Faut parler, je ne réponds pas. Ouais, pas parce que je déteste, mais mon argent là, je l'aime par rapport à toi. C'est ça. Aujourd'hui, les gens ont des difficultés même de donner l'argent aux mendiants. Il y a des gens qui se transforment en mendiants. Il faut leur donner seulement un peu d'argent. Donne-leur de l'argent. Il y a une dame qui a fait ça. Elle avait un montant quelque chose de 30 millions. Il y a une mendiante qui est venue. Elle a tiré un billet de 5 000. Elle a donné à la mendiante. C'était fini. Dès que la mendiante est partie, tout son argent s'est transformé en papier. Vous voyez, Conakry traverse un stade d'insécurité que vous ne pouvez pas imaginer. Ce qui est très grave encore dans cette situation, c'est le fait que ces moutons et ces maudits-là, utilisent le fétiche. Ils utilisent le fétiche. Il faut maintenant, je parlais des mendiants, on ne connaît plus qui est le vrai mendiant, on ne sait plus qui est le faux mendiant. Donc, il contribue à ce que les gens soient extrêmement méchants. Il sera difficile pour le gouvernement de pouvoir combattre ces gens-là qui agissent dans la sorcellerie. Je te dis, il te dit bonjour. Tu n'as aucune preuve. Il te dit bonjour. Tu dis bonjour, ça va? C'est fini. C'est fini. Au départ, qu'est-ce qu'il faisait? Il te voit, il te salue, il te tend la main. Lorsque tu les serrais la main, leur mission était accomplie. Mais quand on a compris ça, les gens ne seraient plus leur main. Finalement, ils sont allés renforcer les fétiches. Ils te disent simplement bonjour. Faut répondre, c'est fini, on t'a attaché. Tout ce qu'ils vont te demander, tu vas faire. Je ne sais pas, on appelle ça en sous-sous comment, dimi, dimi. Je crois que c'est ça, dimi, dimi. Tout ce qu'ils vont te dire, tu vas faire. Donc, au lieu de tout ça, toi, samouraï, tu es dans l'entrepreneuriat. Tu as ton petit coin. Mais trouve-toi un taximètre. Si tu n'as pas encore de voiture, trouve-toi un taximètre que tu connais, avec lequel tu as de bons rapports. Chaque fois que tu veux aller faire tes achats, tu déplaces sa voiture.
vous partez. Tu achètes en toute sécurité, tu reviens. Quoi qu'il advienne, aller-retour, ça ne va pas dépasser 150 000. Donc, il faut être vraiment prudent à Conakry. Il faut être vraiment d'une prudence extraordinaire à Conakry, cher samouraï. Ce qui s'est passé, c'est vraiment dommage. Amadou Tidiane Diallo, il dit, dans ce cas, vous poussez tout le monde à être méchant dans ce pays. Finalement, où allons-nous? Amadou Tidiane Diallo, pardonne-moi. Je ne suis pas en train de pousser tout le monde à être méchant. Mon ami, c'est la société qui rend l'homme méchant. L'exemple que je te donne là, Amadou Tidiane Diallo, tu as raison, hein, ce que tu dis, tu as raison. Mais l'exemple que je te donne, moi, ma femme a vécu cela. Elle faisait un petit tontine de quartier. On lui remet quelque chose de 700 000. Elle dit qu'elle va aller payer des bracelets pour venir revendre dans le quartier pour lui permettre de faire accroître son, comme on le dit en termes simples, son manakou. Mais elle va sur le pont de Madina là-bas. Une dame l'a salué, elle a répondu à la salutation. Mais c'était fini. C'était fini. Je dis c'était fini. Il y a encore un jeune albinos. Lui, il est réputé dans ça. Je ne sais pas, finalement, on avait mis même main sur lui. Au rond-point d'équipe, au centre émetteur. Un jeune albinos. Combien de fois les gens n'ont pas pitié des albinos? Mais tu le vois là. Il vient. Il te demande, il demande l'argent. Il en a fait, un monsieur est sorti de la banque. Il avait de l'argent, je crois, à un montant de 12 millions comme ça. Il a pleuré, que vous voyez, depuis la nuit dernière, il n'a pas mangé, tout ça là. On a pris l'argent, le monsieur a pris l'argent, il a tiré l'argent dans le lot, on lui a remis. Et après, le monsieur n'a plus retrouvé son argent. Est-ce que ça ne peut pas rendre les gens méchants? C'est ça. Sinon, en temps normal, mon frère, on doit avoir pitié des personnes qui vivent avec un handicap. Ces personnes qui mendient. On doit avoir pitié. Même des personnes âgées. Mais malheureusement, ce sont ces personnes-là. Ça dit, si dans ta pitié, si tu dois avoir pitié des gens, et dans cette pitié-là, tu vas te détruire. Hein, mais non, il faut s'aimer d'abord. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Laissez-moi les cœurs et laissez les saluts, s'il vous plaît. Laissez les saluts, laissez les saluts. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Donc, on ne va pas rester, tu ne vas pas rester à chercher à aider quelqu'un jusqu'à te détruire. La vie était encore belle. La vie à Conakry, le monde était encore beau à l'époque où tu pouvais prendre l'argent, tu donnes à un mendiant, tu pouvais répondre à la salutation de quelqu'un, tu pouvais donner l'heure qu'il fait à quelqu'un sans que tu n'aies de difficultés. Mais aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui sont en train de détruire la chance de beaucoup d'autres personnes. Moi, sincèrement parlant, cher samouraï, ça va vous faire mal, un jour on sera quelque part. Qui que tu sois, tu me salues, je ne réponds pas. Hein? À moins que tu utilises un de mes codes. Soit tu m'appelles par un de mes surnoms. Là, je prends le risque de répondre si je ne te connais pas. C'est ça. C'est ça. Tu me salues, je ne réponds pas. C'est comme ça. Hein? Parce qu'on sait comment on cherche notre argent. Samouraï, on sait comment on cherche notre argent. Et que la vie est difficile à Conakry. On sait. On sait combien de fois. Toi, tu vas aller prendre 500 000, 1 million, 2 millions, tu as ça dans ta poche. Le maudit, lui, il a son fétiche avec lui, il vient te dire bonjour. Toi, tu te dis que ouais, c'est toi le plus gentil au monde. Il dit bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Et vous avez quelle heure là? Non, il est tel. Pourquoi lui n'achète pas sa montre? Pourtant, il a l'intention de détourner ton argent. Après, il est assis là-bas, il dit bon, j'ai tapé un bouton encore aujourd'hui. Donc, il faut être prudent. Amadou Tidiane Diallo, comprends-moi. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est de la prudence. On dit l'homme n'est bon, mais c'est la société qui transforme l'homme. Tu n'as pas encore été victime, et on ne souhaite même pas que tu sois victime. Mais si tu as été victime, tu ne vas même pas saluer quelqu'un. Le samouraï qui a été victime de cette situation-là aujourd'hui, après la situation-là, 100 000 ans, il ne va même plus oser un taxi s'il a beaucoup d'argent sur lui. Ou bien la décision qu'il va prendre va être de s'acheter une petite voiture à lui. C'est ça. C'est ça le problème. C'est le monde dans lequel nous vivons qui rend les gens méchants. Donc, mon premier conseil,
à l'endroit de ce samouraï qui a demandé, qui a exposé sa situation. J'ai dit que ça allait le choquer, ce que j'allais dire. Et ça risque de choquer beaucoup parmi vous ici. Mais ici, c'est la tribune de l'éveil de conscience. On se dit les vérités. Lorsque vous avez aujourd'hui de l'argent sur vous, qui dépasse 300 000, 400 000, 500 000, mon frère, mettez-vous en sécurité. Lorsque vous voulez aller faire des achats, vous avez, à plus forte raison, vous avez un montant de 5 millions, 10 millions. Il y a certains même, il y a un monsieur qui a quitté l'intérieur, qui est venu ici récemment à Conakry. Il est allé faire le retrait de 50 millions. C'était dans son sac. Il devait aller payer ses travailleurs à l'intérieur. Ses travailleurs l'ont appelé. Il est au téléphone. Ah oui, oui. Oui. Non, bravo, d'abord. 50 millions. Aena Saki Kono. Non, Nato. Ça veut dire, il dit, oui, j'ai sorti l'argent. Oui, oui, j'ai sorti les 50 millions. C'est dans mon sac. Non, j'arrive. Dès demain, dès que je viens, je vous paye. Non, non, les 50 millions sont dans mon sac. Et puis le deal est au téléphone, hein, dans ce grand Conakry-là. Il finit de parler. Même pas 5 minutes, tu entends gauche dans ses oreilles. En plein jour, il est tombé. Tcha, tcha, ils ont coupé le sac. Ils sont partis avec. Rapidement. C'est ça. Il y a trop d'insécurité aujourd'hui à Conakry. Donc il faut être vraiment prudent, les gars. Il faut être vraiment prudent. Il faut. Vous avez vu la question, même ce que j'avais publié tout récemment aussi. Même ceux qui font les longs voyages. Toi, tu pars à la gare. Tu pars à la gare. Tu communiques avec les gens qui sont là où tu dois aller, les gens de ta destination. Tu les fais comprendre que tu as tel colis, tu as tel montant. Tu es à la gare, tu parles de cela. Pourtant, beaucoup de syndicats et beaucoup de chauffeurs sont en connivence avec les bandits. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis après, quand on Mamadou Diarabi, il dit, je viens d'arriver, je n'ai pas suivi. Oui, mon ami, nous sommes en train de parler d'une question d'insécurité totale. Un jeune qui s'est fait voler 20 millions de francs guinéens, qui est monté dans un taxi. Je reprends pour toi et pour les autres. Je fais juste un briefing pour les autres qui viennent de rejoindre la vidéo. Mais déjà, laissez-moi les cœurs. Le jeune qui monte dans un taxi, le taxi est plein. Ça restait qu'une seule place. Or, ce sont des bandits qui sont là. Le chauffeur même est bandit. On a retiré son argent. Donc, vous voyez, c'est comme ça. J'étais en train de donner l'exemple de ceux qui voyagent, c'est-à-dire les commerçants qui se déplacent. Vous venez à la gare, mon frère, il faut vous taire. Vous savez que vous avez l'argent sur vous. C'est pourquoi d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, moi, un commerçant, si les coupeurs de route prennent ton argent là-bas, là, il sera difficile pour moi d'avoir pitié de toi. Il faut qu'on se dise la vérité. On dit à Dieu de nous épargner de ces coupeurs de route. Voilà. Parce que eux là, ils peuvent ôter la vie. Mais si c'est sur le plan de l'argent, aujourd'hui, le monde a tellement évolué. Tu sais que tu vas par exemple à Sigiri, ou bien tu vas à l'Abbé. Pourquoi ne pas mettre ton argent sur Orange Money? Arrivé là-bas, tu retires. Et on a beaucoup de petites banques qui sont là actuellement. Il y a des banques, tu peux laisser l'argent à la banque ici. Arrivé là-bas, tu retires. Mais tu entends souvent, les coupeurs de route ont pris les gens, on les a retirés, je ne sais pas, par exemple, 100 millions, 200 millions. Ils avaient tout ça sur eux dans la voiture, dans le véhicule là-bas. Et ce sont les bandits d'aujourd'hui à Conakry. Le fétiche qu'ils ont là, c'est comme s'ils sentaient l'odeur de l'argent. C'est-à-dire celui-là qui a l'argent sur lui, dès qu'ils te voient, ils comprennent automatiquement que toi tu as l'argent. Ils ne partent pas vers quelqu'un qui n'a pas l'argent. Ils sentent. Donc il faut être très prudent. Vous savez que vous devez voyager à l'intérieur pour aller faire des achats. Arrivez à la gare, d'abord mettez votre argent à la banque ou bien mettez sur Orange Money. Ça, Orange Money ou bien MTN Mobile Money, ça facilite la vie. Arrivé à la gare, ne faites pas comprendre à qui que ce soit ce que vous partez faire.
ne le faites pas. Parce que généralement, ton voisin direct là, c'est un bandit. Généralement, lui, il est là assis, il communique avec ses amis qui sont sur le terrain. Ah non, les gars, il y a quelqu'un qui est là, voilà, voilà, voilà. Ou bien il les amène le message. Non, c'est ici là, il va descendre, donc préparer le corridor à tel lieu, etc. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Il faut être très prudent. On demande à l'État de redoubler de l'effort. Mais, sincèrement parlant, même si on demande à l'État de redoubler de l'effort, il faut savoir que cette situation n'est pas facile à gérer. Parce que les gars agissent avec le fétiche. Il y a ça. C'est pas facile. Donc, nous, samouraïs, nous combattants, c'est nous qui devons simplement être prudents. Et lorsque tu sais que tu as une somme pareille là sur toi, samouraï, déplace une voiture. Et c'est pas pour ne rien. Vous allez voir des jeunes, dès qu'ils commencent à travailler, il a un peu d'argent, ils se trouvent une petite voiture. Ce n'est pas par nécessité de faire le boucan. C'est pour sécuriser ses propres fonds. C'est pour le sécuriser lui-même. Sinon, comment on peut comprendre? Tu montes dans un taxi qui est rempli. Un taxi n'est pas plein d'eau, c'est rempli. Tu montes dedans. Or, ce sont des bandits qui sont là. Et vous voyez, les taxis-motos aussi, c'est pareil. Il y a trop de trucs comme ça. Tu vas voir un gars, il fait taxi-moto. Il te prend. Tu dis, tu descends dans tel lieu. Alors, il te dit, ok, alors, arrivé quelque part, il prend la déviation. Il te dit, non, 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 c'est le raccourci. Arrivé, ce sont des gens qui sortent devant vous. Or, ce sont ses amis. On fait quoi avec? Ça devient compliqué. Mais quoi qu'il advienne, l'État doit aussi jouer son rôle. Ces genres de personnes, il faut que l'État organise des patrouilles pareilles. Le gouvernement, c'est vrai que ce ne serait pas facile, mais le gouvernement doit pouvoir réfléchir sur des stratégies pour pouvoir éradiquer cette pratique. Parce que c'est en train de détruire beaucoup de personnes à Conakry. Beaucoup de personnes. C'est en train de détruire l'économie de beaucoup de personnes. Donc l'État devrait se pencher sur cette question. Laissez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez salut, salut en commentaire. Laissez salut, salut en commentaire. Je vous ai dit que notre page a des restrictions. La restriction, ça veut dire quoi? Quand on est en vidéo comme ça, ou bien on fait des publications, tous ceux qui sont abonnés sur la page ne voient pas. Il n'y a que quelques-uns seulement que Facebook prend pour les montrer nos publications. Parce qu'il y a des moutons qui avaient signalé deux de nos vidéoconférences. Donc, il y avait 5 restrictions. 3 ont été enlevées. Ça reste 2 restrictions. Donc, interagissez. C'est à travers ces interactions-là que Facebook a levé les 3 premières. Je vous dis déjà félicitations par rapport à ça. Mais quand on est en vidéoconférence, les interactions, c'est quoi? Ce sont les likes, les partages, les commentaires. C'est-à-dire, quand vous venez, même si vous n'avez rien à dire, laissez salut. Après 30 secondes, laissez salut. Laissez salut, 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 salut. Voilà. Faites ainsi pour nous permettre de lever les restrictions, s'il vous plaît. Donc, chers samouraïs, il faut que l'État se penche sur cette question. Mettre en place une cellule de réflexion au niveau du ministère de la Sécurité pour voir les nouvelles stratégies à adopter pour pouvoir éradiquer cette situation. Parce que, un d'abord, cette situation est en train de transformer le cœur des Guinéens. Moi, par exemple, je vous donnais mon cas. Moi qui suis très souriant, n'importe où tu me vois, je viens souriant avec toi, je te salue. Mais je deviens méchant. Je deviens renfermé. Pourquoi? Parce que je veux sécuriser mon bien. Du moment où quand quelqu'un te dit bonjour, tu réponds, ton argent disparaît. Attends. Quelqu'un, vous n'avez jamais appris ça? Celui qui a appris ça, laissez-moi ça en commentaire. Laissez le témoignage. Ça se passe régulièrement à Conakry. Et c'est très déplorable. Malheureusement, ces cas pareils-là ne sont pas... C'est une nouveauté au fait. Il faudrait que le gouvernement se penche vraiment sur cette question. Sinon, ce serait difficile pour nous. D'abord, pour ceux qui vont aller vers mon idéologie, ça va rendre les Guinéens méchants les uns envers les autres. Si ça continue comme ça, il va arriver un jour, personne ne dira bonjour à l'autre. Ça sera comme en France, par exemple. Ce sera compliqué. Or, ça ne fait pas partie de nos traditions.
Ok. Voilà, merci pour les saluts en commentaire. Voilà, merci. Ok, il y a certains qui laissent simplement des images. Ok, c'est bon. Même les images, là, vous pouvez laisser. Il y a certains qui laissent des images. Thank you. Laissez. Tant que vous pouvez cliquer là-dessus, il faut laisser. Voilà. Et laissez suffisamment de likes, suffisamment de cœur. Laissez suffisamment de likes, suffisamment de cœur. Celui qui a quelque chose à dire, il peut le dire en commentaire. Et qui est là comme ça, Statboy le Choco, il dit son nom, c'était à Robert. Mon ami, merci bien, mais on n'est pas en classe, hein. Ici, c'est ma tribune. Et ici, appelle-moi mon samouraï. Ici, appelez-moi le samouraï. En classe, là, c'est autre chose. Tu as compris, mais il me rappelle. Ça veut dire que tu es sûrement un étudiant d'une université de la place. Voilà, merci d'être là sur la page du samouraï que je suis. Barry Mo Barry, il dit vraiment, tout le monde a peur, frère. Soyons prudents envers ces personnes méchantes et qui gâchent l'intérêt des vrais mendiants. Et merci pour votre information, c'est vraiment intéressant. Oui, merci bien. Oui, regarde, il y a une part de vérité dans ce qu'il est en train de dire. Ces gens-là gâtent la chance des mendiants. Parce que moi, comme ça, prendre 1000 francs, voici les 1000 francs que j'ai en main, prendre ça, donner à quelqu'un qui ne peut pas avoir ça de lui-même, c'est pas difficile pour moi. Mais le problème, c'est que tu prends ça, tu donnes. Ah, mon ami, si tu avais 1 million, 2 millions, ce serait parti. C'est ça le problème. C'est ça. C'est pourquoi l'État doit mettre en place une cellule de réflexion, c'est-à-dire au niveau du ministère de la Sécurité, une cellule qui va réfléchir en profondeur pour voir comment éradiquer cette situation. Et de façon définitive, l'État a tous les pouvoirs là. Si eux, ils utilisent le mysticisme là, l'État n'a qu'à chercher l'antidote du mysticisme là. C'est ça. Même s'il faut asperger ça à chaque carrefour, ce serait bien. Voilà. Mais moi, ça me fait mal de voir que cette situation se déroule et presque personne n'en parle. Sinon, le jeune dont nous sommes en train de faire allusion, ce samouraï en question, vous vérifiez bien. Il a été travaillé mystiquement. Il a été travaillé. Parce que comment tu peux être assis, on ouvre ton sac, on prend ton argent, ensuite on remplace et le tout en quelques secondes. Et tu n'arrives pas à comprendre. C'est ça. C'est ça. Ok, Mamadou Diarabi, merci bien. Isha Diallo, comment ça va? Oui, non, sincèrement, Isha Diallo, le gars parlait, il parlait au téléphone, il est là à 50 millions. Vous savez, les gros malinqués là. Les gros malinqués qui travaillent dans les mines d'or là. Quand il a l'argent, lui, ça ne dit rien. Il parle, non, 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 j'ai l'argent, j'ai l'argent. C'est ça. C'est ça le problème. On l'a fait wosh dans ses oreilles. Voilà. Et puis, après, non, non, ils ont coupé le truc. Ils ont coupé la corde du sac et puis ils ont pris. C'est ça. Et puis attention les gars, il y a une autre forme d'arnaque. Faites très attention. Et ça, je vais parler de ça. Il y a certains qui sont là sur ma page, qui sont des arnaqueurs professionnels. Les gars, chers adorables arnaqueurs qui sont là sur ma page, vous qui êtes là sur ma page, quand je dis même adorables, je les accorde le respect. Chers maudits arnaqueurs qui êtes là sur ma page, mon esprit est déjà éveillé, mal même. Arrêtez ça. Qu'est-ce que les moutons là font? Ils prennent mon numéro ici. Vous savez que mon numéro est là sur la page. Ils prennent le numéro après. Tu vas voir, il y a un mouton qui m'appelle la dernière fois. Il l'appelle, excusez-moi, hein. J'utilise un langage un peu chosé parce qu'il faut qu'on les qualifie, quoi. Le mouton m'appelle, il me dit, Allô Théa, comment ça va? C'est comme ça qu'il parle, hein? Allô Théa, comment ça va?
Ah, ok. Et à Conakry, ça va? Et la famille? Ok. Ça va bien? Comme si on se connaissait. Or, on ne se connaît pas. Il a pris mon numéro sur Internet. Certains même composent le numéro par hasard. Mais lui, il... C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez, il y a la possibilité sur votre profil personnel, le numéro avec lequel votre contact téléphonique est sur Facebook, il y a une partie, les gens rentrent là-bas. Ils prennent votre numéro. Si vous n'êtes pas une personnalité publique comme nous, où il y a le numéro carrément sur la page, si c'est un profil, ils rentrent là-bas, ils prennent le numéro. Ils connaissent déjà ton nom. Donc quand quelqu'un t'appelle et il t'appelle par ton nom, tu vas penser que la personne te connaît. Tu vas penser que la personne te connaît. Or, c'est moi mal me connaître. Voilà. Moi, ce qui reste clair, je sais que beaucoup de personnes me connaissent. Moi, je ne connais pas beaucoup de personnes. Donc, le gars m'appelle. Il me dit, allô, Théa, ça va, Conakry, ça va? Bon, ok, c'est tel. Il a dit son nom. Donc, un certain Mohamed Lamine. Non, c'est ton ami Mohamed Lamine qui travaille à Guico Presse. Hein, l'ingénieur là. C'est-à-dire, il te fait comprendre que oui, c'est un gars qui travaille et qui a de l'argent. Je dis oui, mais je ne me souviens pas de toi. Ah, toi aussi, tu ne te souviens pas de moi? Ah, mais pourtant, on est souvent à Lambayi parce que beaucoup savent quand même que moi, je suis à Lambayi. Je le dis toujours dans mes lives. Beaucoup savent. Donc, le gars utilise ces informations-là. Et où il veut en venir? Il dit ainsi, après il raccroche même d'ailleurs. Après je prends le téléphone, je lui rappelle. Il me dit non, excuse-moi, je parle avec mon patron. Par après, c'est lui-même qui me rappelle. Il dit bon, excuse-moi, je parlais avec mon patron. Bon, écoutez, je travaille, vous savez, je suis actuellement à Bouaké, je travaille dans les mines. Donc il y a un produit que j'ai l'habitude de payer, mais avec mon patron, bon, le produit je le paye au magasin à 200 000. Mais avec mon patron, moi je lui dis 500 000, donc j'ai souvent les 300 000 comme intérêt. Donc, mais maintenant là, je ne suis pas à Conakry et mon patron est à Conakry. Donc, je voulais que toi, je te fais confiance, que toi tu partes payer. Je vais te donner le numéro de mon fournisseur. Tu vas aller payer, tu vas prendre les 500 000, 500 000 avec mon patron. Tu vas aller payer et l'intérêt va être. Comment il a dit même, combien? L'intérêt va être 20 millions. Sur les 20 millions, là, toi, tu prends 10 millions et ce sont les affaires, tu m'envoies mes 10 millions. C'est un mal connaître le samouraï. Les gars, je vous donne cet exemple-là pour vous permettre d'être sur vos gardes. C'est un mal me connaître. D'abord, un, moi, Robert Théa, je ne suis pas dans les jeux du hasard. C'est-à-dire, tout ce qui peut m'apporter l'argent de façon hasardeuse, je ne suis pas dedans. Depuis que je me suis connu, je n'ai jamais joué au damier. Je n'ai jamais joué au Guinée Games. PMU, je n'ai jamais joué. L'argent qui provient du hasard, je ne suis pas dedans. Des affaires bidons comme ça, je ne suis pas dedans. Je suis dans le monde des affaires. Tu m'envoies un contrat dans le cadre de ma compétence ou de la compétence de ma société. Tu m'envoies un contrat, on fait le business. Ma société fait la prestation, ce que je gagne, c'est à la sueur de mon front. Voilà. Non, le gars me parle comme ça.